j'attends juste la madre pour lui faire voir, mais je vous fais voir une dernière fois quand même, parce que avant de me doucher, parce que c'est quand même un travail de pro de ouf. Vidéo de mes Halloween des années précédentes pour vous donner des petites idées. Je vais faire aussi une petite vidéo de mon Halloween zombie et un petit tuto de celui-là. Ça va être en 3 vidéos. J'espère que ça va vous plaire. I am the sun and the air. All the shiners that is criminally vulgar. Un fond de teint un peu trop clair, on est mort. Normalement, je fais ça mieux parce que j'ai un miroir. Hein. N'oubliez pas d'aller jusqu'au cou. Donc, vous venez poudrer le tout après avec un fard à paupières ou bleu foncé ou noir. Creusez les joues, comme un contouring en fait. Donc là, vous voyez, ça a creusé un peu mes joues. Bon, là, je vous fais vraiment à l'arrache parce qu'il faudrait que je le fasse beaucoup mieux avec le miroir. Mais on voit que ça fait comme un effet snap. Ça a creusé mes joues. Vous montrer, mais faut bien faire les creux ici. Des stylos de couleur un peu jaune, vert, bleu, des violets, des rouges, vous allez venir tracer des petits traits comme si vos veines ressortaient en fait. Que c'est, j'ai du pus dans les yeux. Un petit coton juste pour fondre un peu le pus avec mes veines. C'est dégueu. Donc là, on va voir avec ce que vous avez, si vous avez plutôt des fards à paupières verts, etc. Mais il faut bien qu'on voit que pue la mort en fait. Hein. Je vais venir prendre un petit fard à paupières. Donc là, donc je mets du bleu sur l'intérieur des yeux. Et du pourpre sur le dessous et l'extérieur. Hop, je vais revenir avec mon coton. Un petit rouge à lèvres, rouge ou du faux sang, comme si on avait mangé quelqu'un. Si vous avez du faux sang, pour Halloween, pour être vachement, on va avoir de l'imagination. Moi, j'adore venir en rajouter au coin de l'œil. Un petit truc en plus, j'ai acheté ça 1€, Flying Tiger, mais je pense que vous pouvez trouver à Jiffy ou partout. Et vous avez un déguisement que vous avez fait pratiquement pour rien. Salut à tous, donc ça c'est une petite vidéo pour vous amuser si vous n'avez pas d'idées pour Halloween. Et voilà, amusez-vous, éclatez-vous, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et bah, je vous ferai voir mercredi prochain en quoi je vais me déguiser, mais je pense que ça sera un peu dans le style comme ça. Bisous!